félicitations Beleka na Congo number one. Tant on va number one toute cette terre, number two terre. Number one. C'est ça, président Raboyi. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse à Mouka. Il va nous avoir number one. Mais internet, beaucoup de vous bêtes comme number one. T'es naturel, t'es number one. Tout le monde, t'es number one à tenir. Ils allent à la carte. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plèbe de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modisquaires de la place. DVD Oyobozelaki Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobima, yangoy. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Kazarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plèbe des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama pona bana peli bota mobimba pe na ba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. La malaria là-bas, c'est pas la diarrhée qui fait tuer les petits enfants. C'est pas la grippe qui fait violer les femmes. C'est des crimes imprescriptibles qui se passent à l'Est. Et toi, comme avocat, tu le sais mieux que moi. Donc, il ne faut pas prendre la situation qui est à l'Est comme une blague. Le pays est agressé et une partie de la République risque de nous échapper, maître. Donc, il faut prendre suffisamment de la responsabilité quand vous abordez des questions nationales. Je reviens à la question que vous posez. Au terme de référence. Le terme de référence. Est-ce que ce qui est fait aboutira au mal? J'ai dit non. Je ne suis pas pessimiste. Je ne crois pas que toutes les initiatives congolaises ne peuvent aboutir qu'au mal. On peut aboutir au bien par ce qui est en train d'être fait, par les dialogues qui peuvent être entamés, par la présence de toutes les éminences comme un maître qui est là. On peut aboutir à des solutions salvatrices pour la population. Pourquoi vous estimez que nous sommes condamnés à la fatalité, comme disait mon ami Kari? Donc j'estime qu'il est possible de changer les événements par les hommes qui sont là. Par vous et moi, il est possible de faire du bien. Voilà ce que je peux répondre à ce stade. Mais quels sont les termes de référence? Mais il appartiendra aux participants d'en définir. Il n'y a pas un dictat. On n'ira pas répondre à une messe de chez les prêtres où une personne viendra dire voilà, amen, et tous nous disons amen. Les gens qui viendront là, qui seront invités, c'est des responsables, c'est des grandes personnalités politiques et sociales à qui on ne peut pas faire avaler n'importe quoi. Vous arrivez dans un débat pareil, je crois, on s'attend, et ce sont les préparatifs qui se passent, on s'attend, on va parler de quoi entre nous, on définit ensemble d'une manière consensuelle, j'en prête les termes de mon ami, on définit consensuellement la matière à traiter, et on l'aborde d'une manière scientifique, d'une manière congolaise, d'une manière que les choses puissent changer par rapport à la situation des Congolais. S'il n'y a pas de dictat, il n'y a pas un dictat préétabli. Je ne vois pas pourquoi les gens sont pessimistes. Pourquoi croyez-vous qu'il n'y aura que du mal qui sortira de là? Pourquoi croyez-vous que nous sommes condamnés à mourir pauvres, nous tous? Pourquoi voyez-vous à quelqu'un qui met une cravate que c'est un voleur? Celui qui met une belle chemise ne peut être que voleur. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent ici, qui travaillent avec... Je te vois des belles cravates en tant qu'avocat. Tu n'as pas volé. Pourquoi crois-tu que tout ce qui sera sont des voleurs? Ce n'est pas vrai. Il y en a qui volent, c'est vrai. Mais il y en a qui ne volent pas. Moi, je suis pas parmi les voleurs. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Blaise Baïssé. En tout cas, revenons au débat. Je ne souhaitais pas aller dans un débat d'injure, sinon je vais laisser la table. On est là. Maître Roger Marcel Batiki, les thèmes de référence de oui, ce débat, enfin du dialogue national. Oui, je viens de suivre. Voilà. Les textes sont présentés.
Mais ce qui est réel, moi je suis venu en politique avec un idéal, je défends mes convictions et j'ai le sens de l'audace et l'innovation. Dans ce dialogue, nous voulons innover. Il y a tellement de problèmes. Je venais de suivre Maître Patty Lind en face de moi. Il a parlé des limites. D'où la notion d'alternance. Alternance 2016. Parce que l'alternance reste le souffle naturel dans toute démocratie. Pour insuffler à la société. Donc un souffle et un sang nouveau. Afin que la société puisse reprendre sa force. Dans une bonne idéologie. Dans une bonne orientation de la masse. Nous avons tous intérêt à tirer les leçons du passé pour faire face à l'avenir. C'est ça le grand principe. Autrefois, nous fûmes de véritables acteurs de notre propre vie. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des sujets passifs de notre histoire. Toute notre vie est décidée ailleurs. Nous avons tous l'obligation de regarder dans le même sens à côté d'un leader pour faire sortir le Congo de l'immobilisme et de la confusion actuelle. Nous sommes dans un bourbier. Aucun secteur de la vie nationale n'est épargné. Le social, l'économie, la politique. Je prends le social. Toutes les questions doivent être abordées. Bien sûr, je prends le social. L'éducation. Celui qui veut reconstruire ce pays doit commencer par l'éducation, la formation. Il doit passer à la santé, les secteurs santé. Ce sont des secteurs prioritaires. Mais à mon grand étonnement, je constate que nous allons dans le superficiel et la République démocratique du Congo dépense ses moyens à des fins parallèles, alors que le vrai problème qui devrait être les préoccupations majeures du gouvernement demeure-t-il. D'où il faut définir les termes de ce dialogue. Nous, Consensus 11, groupe de réflexion pour la paix, la solidarité et le développement de la République démocratique du Congo, qui prône l'alternative, l'alternance 2016, nous allons contribuer tant soit peu afin que nous puissions sortir de l'intolérance actuelle, de la confusion, de tout ce que nous sommes en train de vivre comme immobilisme, afin que nous puissions faire sortir les Congos dans ce chaos qui nous attend tous. Et personne, alors personne, ne peut être neutre ni indifférent. Parce que de toutes les poitrines actuellement dans ce pays, jaillissent des cris de douleur et de détresse. Personne ne peut rester indifférent. Même les voisins, lorsque la maison du voisin s'est pris, le voisin a l'obligation d'apporter de l'eau pour éteindre les brasiers. Tout Congolais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, j'aimerais que vous puissiez comprendre une fois pour toutes ces messages d'espoir, de confiance et de paix que le Consensus 11 groupe de réflexion vous apporte. Et nous allons mettre ça à la disposition de notre gouvernement afin qu'on puisse sortir de ce cas actuel. Merci beaucoup, Maître Roger Marcel Batiki. Maître Patty Joseph Lindo, dialogue, sous quelle médiation et pour aboutir à quoi exactement, pour terminer sur cette question du dialogue national? Bien sûr, voilà, vous avez parlé du dialogue sous quelle médiation, mais je voudrais d'abord rassurer mon frère Blaise, sans toutefois m'arroger le droit d'être rabbi, quelqu'un qui ne changerait pas, il me connaît. Dans mon éducation comme dans ma sagesse, il y a longtemps quand nous militons encore ensemble. Et ce n'est pas Patty Joseph Lindo qui débiterait des injures, à moins qu'il en ait trouvé dans les termes de mes propos, que je ne m'en souviens pas. Mais néanmoins, nous n'en sommes pas notre première expérience. Nous avons aujourd'hui 52 ans, mon frère Blaise. Ce ne serait pas le premier contact entre individus pour parler Congo, nous savons. Et il ne faudrait pas non plus prendre la sagesse pour un pessimisme. Ah non, si il n'y avait que du pessimisme, mais pourquoi on soutiendrait cela? Mais on aurait pu dire carrément que ça ne sert à rien de faire le dialogue.
Mais nous nous disons, fort de ce que nous avons vécu et fort de ce que nous vivons, il faut qu'il y ait dialogue. Mais dialogue pourquoi? Pour que le dialogue ne soit pas encore une entreprise d'emploi politique de certaines personnes. Ça, c'est d'eux. Et quand nous parlons de l'Est, ben, au fait, malheureusement, nous sommes dans un pays d'intellectuels sans statistiques. Vous ne voyez la mort ou le mort qu'à l'Est. Vous ne voyez des viols ou de je ne sais pas quoi, violations qu'à l'Est. Mais je vous dis, faisons de la comptabilité funéraire, vous allez vous rendre compte. Mais il m'arrive de passer dans des morgues. Nous en avons peut-être deux ou trois à Kinshasa. J'en vois qui s'en sort à Selembao et à Mamayemo, pour ne pas parler des cliniques universitaires Ngali et consorts. Mais là, Diego, les débits de morts dans cette ville m'inquiètent. J'en compte par moment à la morgue de Selembao plus de 15 morts par jour. Si nous devons faire des comptabilités, mais vous allez vous rendre compte, Blaise, que c'est peut-être à tort que vous exacerbez trop les problèmes de morts de l'Est. Et là, je voudrais rappeler à ceux qui suivent que le mort, qu'il s'agisse des morts de l'Est, de l'Ouest, du Centre, ce sont tous des morts. Et là, il ne faudrait pas qu'on puisse nous dire « Ah non, il n'y a que l'Est. » Ah non, là, vraiment, je suis désolé de le soutenir et je le soutiendrai encore plus fort. Et quand nous parlons de l'enrichissement sans cause, mais il n'est un secret pour personne. Mon frère Blaise, je connais ton éducation, je connais. Je connais comment tu t'en sors, mais nous connaissons aussi ce qui se passe. Vous trouvez ça normal, Blaise, que dans cette ville, dans ce pays, quand vous voyez quelqu'un avec une Prado, s'il n'est pas du pouvoir, il est en acquaintance avec le pouvoir. Ça, ce sont des choses que nous vivons. Vous ne savez pas, mon frère Blaise, vous et moi, nous avons cheminé, nous avons une histoire. Même dans les acquisitions de belles cravates, ça ne vient pas du ciel. Nous avons cheminé. Mais hier, on vous voyait presque nu par la magie politicienne au Congo. Vous devenez riche. Ça doit choquer. C'est pourquoi nous tenons à ce que partout ailleurs, mon frère Blaise, c'est le politique, c'est vous et moi, l'élite, qui donnons un sens au développement. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. C'est pour revenir à la question. J'en viens à la question rapidement. Ouais. C'est pourquoi au Congo, on dit le sous-développement du Congo, c'est l'affaire de son élite. Et là, ça doit aussi nous interpeller. Pour revenir à la question. Quelle médiation? Mais déjà, le chef de l'État, je l'ai dit d'entrée de jeu, le chef de l'État a imploré la communauté pour que nous puissions dialoguer. Mais il ne l'a pas fait en tant que membre de l'autorité morale du PPRD, en tant que magistrat suprême. Pourquoi vous voulez trouver un médiateur ailleurs? Mais il est le magistrat suprême. C'est lui qui nous sait que nous ne sommes pas PPRD ni majorité présidentielle, je suis désolé. Voyez-vous? Mais il est notre président. Il est le président de la République. Pourquoi pas lui, en tant que père de la famille, il ne peut pas regrouper le membre de sa famille? Pourquoi on doit avoir une médiation? Qui vous a dit que la médiation serait toujours éthiopienne ou les Congolais, encore une fois, San City, mon frère le sait, les Congolais ont excellé à San City dans des extravagances comportementales. C'est le propre du Congo. Agaperon, je n'en parle pas. Nous l'avions déjà dit. Ils étaient partis pour la luxure botswanaise. Ce n'est pas ça. Moi, je préférerais que le président lui-même en soit le médiateur et qu'il convoque des gens autour de lui pour que nous parlions pratiquement Congo et que nous nous regardions en face. Nous savons nos abus, nous connaissons nos limites, et que ceux qui ont des limites, ça vaut quand même une fois. Il ne faut pas bloquer le pays par un certain échantillonnage politique. C'est ce que nous nous disons. Donc la médiation, ouais. Le président pour nous, il est fondé à faire la médiation en tant que magistrat suprême. Et là, il faut que le PPRD, la majorité présidentielle, le comprenne. Il ne faudrait pas qu'il le bloque encore, que non, c'est notre homme. Il n'est pas leur homme. Il est le primus inter alios dans la société. Et il connaît mieux les réalités de ces pays. Là, nous insistons là-dessus. Voyez-vous, donc, le format, ça peut ne pas comporter tout le monde. Parce qu'au Congo, le mal, c'est quoi? Quand il faut appeler des gens. Mais j'insisterai pour qu'il n'y ait pas de perdième. Là, vraiment, je suis dessus. Je ne parle des Congolais pour des solutions congolaises. Et ça, j'ai salué l'initiative du chef de l'État pour avoir dissocié jusqu'à présent ces agressions, finalement. Parce qu'il y a une agression due à notre propre situation interne, mais il y a une agression commanditée de l'extérieur qui massacre, qui tue et qui pille. Voilà, okay. À peu près ce que je peux te dire. Ouais. Maître Roger Marcel Batigui, pour finir. Je suis très content. Quelle médiation? Oui, je suis très content parce que l'incident qui allait se produire ici venait d'être balayé. Ici, nous sommes non pas pour discuter des personnes, des événements non plus, mais nous discutons sur les idées. C'est les idées. L'idée qui fait l'homme, l'idée force, l'idée capable, comme ce fut le cas de la Grèce antique. Rome a conquis la Grèce par les armes.
mais la Grèce a conquis Rome par la science et la culture et la civilisation. Nous sommes là pour apporter à ces peuples qui, depuis 60, n'a rien compris l'essence de l'indépendance du 30 juin et qui continue dans l'ignorance. Nous sommes là pour vous apporter un vent et un sang nouveau. Vous savez, Salluste, c'est un écrivain romain que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup lu dans mes études littéraires. Salluste disait, on ne peut pas traverser l'existence sans pour autant laisser des traces. Vous arrivez au pouvoir, on ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. On prend le pouvoir pour améliorer les conditions de vie. Il faut laisser des bonnes traces, non pas dans les mauvais. Que ce peuple, une fois pour toutes, puisse se remettre et comprendre pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Qui sommes-nous, descendants? Pourquoi nous ne voulons pas tirer les leçons du passé, qui est le plus grand principe du développement? Tel est le cas de la Chine. Lisons l'histoire et comprenons le sens de l'avenir. Nous venons de traverser un passé aveugle. Nous sommes dans un présent muet. Si nous n'y prenons garde, ce pays sera une terre de désolation, certainement un pays recolonisé. Tirons les leçons du passé. J'insiste sur ça. Dans ce dialogue, les termes de référence, dans ce dialogue, nous devons faire une étude rétrospective de 60 à ces jours. S'il s'agit de faire des poursuites pénales, on va les faire. Il y a les cours des tribunaux pour ça. Nous devons remettre le Congo sur le rail de l'amour et de la justice. Autour d'un idéal commun, tel que chanté par nos pères de l'indépendance. Faire de ce pays un grand et beau pays que nous allons peupler dans la postérité. Merci beaucoup, Maître Roger Marcel Batiki. Entre-temps, Maître Patty Joseph Lendo, on note, nous sommes déjà à Kampala, on note des avancées dans ces concertations qui se déroulent dans la capitale ougandaise entre le gouvernement et les M23. Le rapport du premier point sur la réévaluation de l'accord du 23 mars a été adopté par les deux parties en attendant les autres points de l'ordre du jour, et le médiateur, le ministre ougandais de la Défense, affirme que tout se passe bien et que tous les points seront abordés. Maître Patty Joseph Lendo. Ben, vous savez, je me redire une chose, c'est que il ne faut pas que le peuple se laisse trop abuser. Il faut que le peuple se dise que Dieu, pour le souci du Congo, ne va plus recréer l'homme. Et que le meilleur homme parmi nous, il y en a, hein, nonobstant les compartiments politiques, socio-économiques, et ainsi de suite. Mais là, j'insiste, et je mérite que les gens ne soient plus rêveurs. Et que quand il faut faire le choix des hommes, que nous associons tout ce que nous avons de sérieux, si nous voulons réellement changer le visage de ces pays. Il n'y a pas une autre magie à faire. Par rapport à ce qui se passe, des avancées que vous avez notées, à Kampala, j'ai dit que, bon, je voudrais oublier que je suis juriste. Parce que si je me souviens de mes peines comme juriste, je ne comprendrai rien. N'est-ce pas? Mais je voudrais oublier que je suis juge. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Je suis congolais. Donc, s'il y a des avancées, et que ces avancées-là rentrent dans le sens de ce que nous avons dit avant, au début de l'émission, Salus Populi Suprême Alex. Là, nous nous applaudissons. Applaudissons. N'est-ce pas? Ok, vous avez compris. Bravo, nous vous applaudissons. Parce que, qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons plus que nos frères de l'Est puissent continuer à subir ce qu'ils sont en train de subir injustement. Et là, nous sommes méchants. Si nous, ici, nous contentons que de nos Français. Mais là aussi, il y a une sorte d'hypocrisie que je note dans le discours de ceux qui veulent trop parler Est. Parce qu'en principe, si nous étions compatissants vis-à-vis de nos frères de l'Est, mais même nos programmes télévisés allaient changer. Même notre comportement politique allait être conséquent par rapport aux pleurs que nous déplorons à l'Est. Mais quand je vois des dirigeants passer l'État dans des, comment on appelle ça, de spectacles musicaux, de nuits entières,
on passe le temps dans un concert. Et le lendemain, on dit, on a le souci de l'Est. Ah non, là, vous nous prenez vraiment pour des petits-enfants et ça, nous nous refusons. Donc, nous disons que les avancées de l'Est, s'il faut faire confiance au ministre, comme vous venez de le dire, ougandais, qui ferait la médiation, qui fait la médiation, c'est bien pour qu'une fois pour toutes, et c'est là où nous nous sommes. Mon frère Blaise a dit qu'il ne faudrait pas que nous pardonnions à certains crimes. Et nous, nous disons, puisque nous prenons la sacralité de la vie, le sang humain est sacré. Il ne faudrait plus que les gens, au nom d'une certaine gymnastique politicienne, puissent faire couler impunément le sang. Et c'est là où nous nous disons dans ces dialogues. Il ne faudrait plus qu'après les dialogues, que ce soit à Kampala ou ici dans les dialogues nationaux, qu'il y ait encore des P24 demain, parce que moi je m'appelle Paty. P24, parce que je ne suis pas content. P24, je vais à Luozi, je reviens avec des armes. Ah non ! Là, nous devons nous dire, autant nous allons condamner cela aux hautes trahisons, et qu'il n'y aurait plus de conciliabule pour ceux qui auront pris des armes. Une fois pour tout, il faut même concilier ça dans la Constitution. Nous, nous sommes partie prenante. Mais autant aussi, nous devons nous engager que les détournements de biens publics pour ceux qui sont aux affaires eh bien, doivent aussi être érigés au même titre que ceux qui prennent les armes, au titre des crimes imprescriptibles. Parce que les armes à l'Est, comme le détournement, qui priverait le gouvernement de moyens de son action, mais ont pour convergence ou quoi ? Des morts. Des morts par tuerie massive, cela a été dit, je ne reviendrai plus, mais des morts par pauvreté, par précarité sociale. Ça aussi, ce sont des morts. Voilà en fait les choses sur lesquelles nous, nous allons y consacrer toutes nos énergies pour que les couches les plus lointaines de la nation comprennent cela et que nous puissions nous tous lever l'option une fois pour toutes. Merci, Maître Paty Joseph Lendo. Maître Monsieur Blaise, c'est Baïssé. Intéressant. C'est très intéressant de constater que autour de cette table, il y a beaucoup plus de convergence que de divergence. Et que l'on parle plus Congo que comme on disait, ami, que des hommes. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est en train de parler d'un homme ici. Je voudrais revenir à une idée de notre collègue, Maître Roger. Il souhaitait l'alternance en 2016. L'alternance, mon frère Roger, ce sont les ABC de la démocratie. L'alternance démocratique ne se fait que par les élections. Et donc, et Maître Paty vient de le dire, c'est nous. C'est notre peuple qui donne depuis 2003, je crois, depuis 2003, c'est notre peuple qui est en train de donner du pouvoir aux gens. Il y a donc deux possibilités. Soit que nous qui sommes l'élite, nous n'arrivons pas à encadrer suffisamment notre population par des moyens d'éducation civique pour qu'elle comprenne, pour que la population comprenne ce qui se passe, les choix politiques. Ou alors nous-mêmes, nous, élites que nous sommes, qu'on soit de gauche ou de droite, nous sommes en train d'utiliser ce que Paty appelle l'alchimie politique pour tromper nos électeurs et donc se retrouver au pouvoir par des moyens, je dirais, illégaux, illégitimes. C'est ça la problématique de l'alternance dans notre pays. Pourquoi ça échoue? Maître Paty dit qu'il y a plus au pouvoir des personnalités, même si je ne pousse pas son point de vue, il y a plus du mal au pouvoir que du bien. Ce n'est pas ça qu'il pourrait dire, mais voilà un peu comment je caricature. Mais j'ai dit, c'est nous. Depuis 2003, on est dans un processus de démocratie. C'est vrai qu'il y a des balbutiements, c'est bien qu'il y a des erreurs. Mais ce n'est qu'en 2003 qu'on a commencé. Donc on ne peut pas se poignarder pour avoir raté une ou deux fois. On doit continuer. Et donc c'est notre responsabilité d'éduquer la masse, de former la population pour qu'elle fasse des bons choix. Mais ce que je vais dire par rapport au dialogue de Kampala, j'ai eu la chance d'être à Kampala, de voir ce qui se passe. Je vais vous dire que, contrairement au dialogue passé, Maître Paty, la délégation congolaise au dialogue de Kampala a la chance, je veux dire vraiment appeler sa chance, d'avoir au son sein des personnalités engagées pour la cause du Congo. Je vais d'ailleurs insister pour dire, je ne vois pas un Congolais. J'ai la chance de les côtoyer un peu plus maintenant. Je ne vois pas un seul Congolais qui y est conciliant par rapport à la question d'agression. Certes, il y en a un, j'ai vu Lumbala par exemple, qui ont traversé le Rubicon. Même si on a dit que l'M23 était une force négative, un d'entre nous a traversé. Mais on ne peut pas condamner toute la République à cause d'un seul homme qui est allé là-dedans. Donc j'ai dit que la plupart, en tout cas la majorité des Congolais, comprennent que c'est une agression. Et personne, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition, je n'ai pas vu des personnes prêtes à laisser les choses évoluer comme par le passé.
Les avancées dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles signifient? Elles signifient ceci. Pour le gouvernement, pour la délégation du Congo, il fallait faire l'évaluation de l'accord du 23 mars. C'était un mauvais accord, mais pourquoi on l'avait signé? Parce qu'on était dans une position d'imposition par la communauté internationale d'une solution de paix, où on nous a dit intégrer les groupes rebelles dans notre armée, et donc il n'y aura plus de rébellion et il y aura la paix à l'Est. On a tenté l'expérience, et je suivais ici, que même Didier Reynders, qui est passé par ici, a reconnu que cette stratégie nous imposée par, principalement par la Belgique, les États-Unis et la France, était une mauvaise stratégie. Ça veut dire quoi, au concret? L'intégration ou la réintégration des rebelles dans une armée républicaine est une faute grave et intolérable. Partout où cette intégration a eu lieu, elle n'a conduit qu'à ce que nous vivons. Désorienté, mon frère, je m'en excuse, mon frère. Je ne suis pas venu pour ça. Mais qu'il n'y ait pas de perdième. Là, nous connaissons les Congolais. Qu'il n'y ait pas de perdième, Diego. Ça peut prendre autant de temps que les gens qui veulent bien faire de la pastorale. C'est ça la politique. Pastorale, c'est-à-dire, on se soucie de l'autre. On peut s'oublier. Mais Jésus-Christ, il s'est oublié. Je reviens encore à mon frère Blaise. Il s'est oublié. Mais ceux pour qui il s'est oublié, c'est son souvenir de lui. Il est resté ravi, éternel. N'est-ce pas? Merci. Voilà merci. Ce que nous avons dit. Monsieur Blaise de Baïssé. Il est intéressant de voir que mon ami maître a compris le langage. Il est revenu à la raison. Parce que c'est le même maître que je connaissais. Je l'ai vu dévier par rapport à notre idéologie, à notre éducation. Je me dis, mais ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas ça qu'on nous a appris et dans notre éducation, dans notre façon de vivre. Ce n'est pas l'injure, effectivement, qui nous caractérise. Et j'étais vraiment en train de me décevoir de voir que des propos tendacieux et tendant vers l'injure, tendant vers la discrimination. La discrimination était en train de te prononcer, surtout par mes sympathies. Pour moi, franchement, ça me choquerait. J'aurais souhaité que ce n'était pas quelqu'un d'autre, mais je ne trouverais pas que ce soit mon ami Paty. Je suis très content aussi de constater que Paty est resté ouvert, qu'il a émis des opinions, ouais. Des propositions à lui. Encore une fois, j'insiste qu'il n'y aura pas de dictat, que ce sont les participants qui doivent s'accorder sur le type de modérateur. Si ça ne dépendait que de moi, je poserais carrément le point de vue de notre ami Patrick, qui estime que le président de la République peut bien conduire ses débats, c'est pas mal. Il peut déléguer le pouvoir à un de ses membres, c'est pas un problème. On peut avoir pour plus d'assurance une co-facilitation. On dirait, voilà, le président de la République qui est garant de la nation, il resterait au-dessus de la mêlée, il resterait toute la classe politique en train de chercher les voies et moyens à proposer au gouvernement pour s'en sortir. Et il demanderait donc à un collège de l'opposition, de la majorité et de la société civile de conduire en trois cette médiation. C'est aussi une initiative, c'est aussi des propositions qui sont en train d'arriver dans ce sens-là. Moi, j'ai dit et j'insiste qu'un dialogue est plus intéressant que toutes les autres méthodes que nous voulons avoir pour gérer ce pays. Je disais la fois dernière que j'ai vu à notre ami Obama nommer un dérival au poste d'Hillary Clinton, pour remplacer Hillary Clinton. Donc, j'insiste pour dire, s'il y a une ouverture, il faut que les personnalités qui viennent là-bas viennent comme elles sont. Il faut qu'on ait une ouverture envers la vraie opposition, envers les noyaux durs de l'opposition. Il n'est pas malaisé de constater et de souhaiter, par exemple, que les noyaux durs, l'IDPS de Tien Tshisekedi, participent au débat et puissent apporter sa pierre pour l'édification de ces pays. Il ne sera pas non plus mauvais que l'INC participe en tant que tel. Ça perdre son identité, ça perdre sa vision, sa philosophie, qu'il puisse participer à la résolution des conflits dans notre pays. Un ami, notre collègue ici, venait de dire que le pays est un parterre. Je voudrais sécuriser mon frère Paty. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une crise interne au Congo. Si ce n'était qu'une crise comme celle que nous connaissions avec Mobutu, que nous avions combattu avec toi, parce qu'il n'était pas démocrate, parce que nous avions soif de la démocratie, des droits de l'homme. Si ce n'était que ça, mais je crois qu'il y aurait d'autres voies de sortie. Nous sommes embourbés davantage. Pourquoi? Nous sommes embourbés parce qu'en plus de ce que tu évoques, des morts par maladie, des morts par accident, des morts par pauvreté, par misère, dues à la mauvaise gouvernance, oui. En plus de ça, il y a des morts imposées massivement par l'extérieur, par l'agression extérieure. Et là, parfait. Je voudrais que
Et toi, tu le sais, parce qu'on s'est battu pour ça. Oui, tu ne peux que te rappeler ça. Oui, je voudrais que tu rassures l'opinion à ce sujet. Qu'il n'y a pas de concession face au M23. Qu'il n'y aura pas de concession face à l'agression. Et que les Congolais doivent comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles on peut s'entendre à l'interne. On peut trouver des solutions entre nous à l'interne. C'est pas que j'ai vu, nous, dans la délégation, où on retrouve des personnalités comme Koundé, où l'on trouve Badibangi, où on trouve, je crois, François Mamba, et tant d'autres, hein, tant d'autres, je crois que Mwando aussi. J'ai vu des personnalités en train de dire, nous, on ne répète plus cette expérience. Pour nous, ceux qui ont pris des armes, et d'ailleurs, ils sont sanctionnés par la communauté internationale, le Conseil de sécurité vient de décréter que toute la tête d'M23 est constituée de forces négatives, le Conseil de sécurité les a mis déjà sous sanction. Donc nous, il n'y a personne ici au Congo qui va lever cette sanction. Donc la question d'intégration est déjà suffisamment bloquée par les participants. La question du partage du pouvoir, on n'y revient pas à Kampala. Et la question des nominations politiques à l'issue de prise des armes n'est plus d'actualité. Mais pourquoi alors est-on allé à Kampala? Mais c'était pour aller montrer à la communauté internationale la vacuité des arguments développés par les M23. Donc si on dit aujourd'hui qu'on est arrivé à signer ces PV d'évaluation de l'accord, ça veut dire que ce soit la modération, la facilitation ougandaise, que ce soit les M23, que ce soit la délégation du gouvernement, ils sont arrivés à ce que j'avais laissé. Qu'est-ce que j'avais laissé? Qu'à 85%, le gouvernement avait réalisé ce qui a été promis par l'accord du 23 mars. Il faut souhaiter à ceux qui sont là de maintenir le cap, de ne rien céder à des agressions extérieures. Et je crois que là, nous réussirons, s'ils vont jusqu'au bout de cette logique, nous réussirons à l'éradication politique du M23. Et si cette éradication politique ne vient pas par le dialogue de Kampala, l'éradication viendra alors militairement par la force internationale qui sera déployée par la communauté internationale. Voilà à peu près ce que je peux dire. Et je dis aujourd'hui que ce qui s'est fait à Kampala participe à la résolution du conflit en RDC. Merci beaucoup. Maître Roger Marcel Batiki. Oui, je ne prendrai pas assez du temps parce que si nous dépensons de l'argent, ce n'est pas nous qui gérons le temps. En ce qui concerne les négociations en question, ce qui est réel, c'est comme si vous êtes en train de nager dans une rivière. La moindre effort que vous devez faire, c'est de garder la tête à la surface de l'eau, de peur que vous ne soyez noyé. Nos compatriotes, qu'ils puissent négocier en gardant le cap, avec idéal. Mais je vais terminer par un message pour nos compatriotes de l'Est et dans l'ensemble du pays, en disant, nous sommes responsables de ce qui a été fait, de ce qui s'est fait, et de ce qui se fera. Un jour, le Congo se levera plus beau. Que nos compatriotes de l'Est du pays, plus précisément de Kivu, sachent que nous sommes solidaires avec eux. Et ici, j'aimerais insister que la solidarité soit comprise comme un engagement civique, social et politique de chaque citoyen à l'égard de la nation. Nous ne les oublierons pas. Nous sommes avec eux. Et un jour, le Congo se levera plus beau. À leur tour, qu'ils doivent aussi être sincères et honnêtes envers nous, le reste du pays. Qu'ils ne puissent pas nous entraîner dans l'engrenage de l'histoire pour que le pays tout entier soit déstabilisé. Qu'ils nous disent la vérité sur les problèmes des terres à l'est du pays. Les chefs coutumiers sont là. Ce sont des chefs de terre. Ils ont une part de responsabilité. Les intellectuels de Kivu, de tous les secteurs, ils sont là. Qu'ils nous disent la vérité. Et de là, nous viendrons à leur rescousse pour que la paix soit reprise dans cette partie du pays. Merci. Tous ces émissions, Maître Paty. Finale à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont dimanche. Alors, pronostic entre Nigeria et Burkina Faso. On a vu que Léopard est saison déjà. Non, qui Masolo Morote Babeti. Peut-être il faut poser la campagne ici. Quand ici là, de tous ces évaluations et à Ndenge Tobimaki. Évaluation Léopard.
Parce que toi, c'est la même évaluation. Mais tout cela, bon, dans la Nakamakamango de près, vraiment, mais tout cela, j'ai eu la chance de parler avec l'entraîneur, le français, le roi, Nortel Naipa Diomi. Mais tout ça, ça remonte au problème de gouvernance dans cet état. Quand on doit faire des recommandations à l'entraîneur, pour un joueur, pour un ceci, pour un cela, on croit vraiment qu'on rend service à la nation. Bah, ça, c'est ma recommandation. Mais ma recommandation à ma joueur. Joa Diego, je ne suis pas son avocat. Il ne m'a pas mandaté. C'était par hasard. Non. Quand vous prenez dans un pays hautement francophone, un capitaine d'équipe qui est à fond parlant littéraire, mais vous êtes en train d'injurier tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai joué au football. Les critériums, il y a chaque entraîneur, comment on appelle ça, capitaine d'équipe, mais on tient compte de la personnalité de la personne aussi. Mais quand vous faites des choses comme ça, vous voulez quoi? Quand vous vendez des terrains de football dans des quartiers, voilà Blaise, problème de gouvernance. Moi, j'étais au Brésil. Au Brésil, on voit un terrain à football, il y a bas à tout ton immeuble. Mais tu as des plans avec la justice. Mais quand nous ne faisons pas tout cela, nous voulons qu'au sommet, bah, je vais mettre ma lame. Mais dans l'école, bah, terrain à bas n'est commis bah, immeuble. Vous voulez que les choses soient comment? Et n'oublions pas que nous étions déjà à 70. Une grande nation sportive d'Afrique. Les autres comme Golomane Bandeli. Bah Mali, bah petit-fils n'a pas sur le football. Bah Burkina Faso. Donc il faut que, pour la ressource qui s'en, Makambuya Léopard ait interpellé chacun d'entre nous. Tout est Kabouzo Basolo, tout le bandeli, tout le bagana hymne national. Et n'a qu'au sein, même dans le dialogue, même dans le consensus, même dans Nyonso. Tout y a la vérité, parce qu'il n'y a pas de dialogue si nous ne disons pas la vérité. Ça peut blesser, mais quand on va blesser, Bandi Mayango, parce que c'est la vérité qui libère. Et de deux, d'accord. Tout l'hymne national qui tourne, mais tout le monde, mais bien, on a assez à Massanga. Merci, merci. Voilà ce que je peux demander au peuple. Et au peuple d'être vigilant parce que c'est lui l'acteur et l'artisan de tout ce que nous voulons faire dans ces Congo. Merci, maître Patti Joseph Gendo. Ndeko Blaise Baïsé. Merci, Mingi. Namon, maître Patti, na bande de Moussou, Balobéry, ma campagne, Mbou, Malamou, Nako, rappeler la population, Nabisou, Nabatou, Soba, Hollande, que Congo est au Koufate. Tout traverser un moment difficile. Bambo gagnons au pays à Mokili de Kandengoa. Même États-Unis d'Amérique, même la Grande-Bretagne, tout va les gars à l'étape. Et bandana Congo, t'es pas au cannabis. Haïti a tika la voix. Haïti a zawa na gata la difficulté, mais à Koumata. Deux ans. À Koussala, deux ans, mais à Voléka. Naza surte que na Congo, tu consolides davantage. Le plus grand morceau a été franchi. Le fait que Panabisou, tu adoptes une constitution suffisamment républicaine, suffisamment démocratique, c'est pas donné à tous les pays du monde. Le fait que la majorité y a élite politique na biso baza pour croire na Zambe, baza pour sambela, c'est pas une blague. Amen. La plupart y a bande qu'on a vu tout au bango ba ou partager les mêmes idées. Regardez qu'on vient des horizons différents, mais pour l'essentiel de ces débats, je vois pas une divergence. Je vois que Moutounion soit condamné à agression, Moutounion soit condamné à mauvaise gouvernance, Moutounion soit aligné à dialogue, Moutounion soit aligné à Mboka et Kendelikolo. Ça veut dire effectivement que si on va tout le place mon corps, Mboka et Kobonga. Moi, je suis convaincu que ça ira. Merci beaucoup. Merci. Ndeko Blaise Baïsé. Papa Roger Marcel Batiki. Merci, Mingi. Na sepeli parce que les Kamboya Motopi, Mboka Nabiso, Moutounion sont à regretter qui. Bon. Na moni esika toko condamné entraîneur ata mokete parce que na kosenga biso moko ba congolais to za la sérieux parfait na misala et puis to tirer ba leçon ya passé hein. Le léopard n'est pas une équipe à blaguer avec, mais aujourd'hui ce n'est plus un léopard, on va chercher un nom, donc un type d'animal là qui semble un léopard. Un chat. Un chat, parce que les chats ont des réflexes. Donc on peut chercher un nom. Bref, ouais. Sérieux, pour tirer les sons du passé. Tous allez battre. Aucune fatalité ne nous condamne. Nous devons être les maîtres de notre destin et nous devons reprendre confiance en nous-mêmes. Ce que les uns ont fait, nous pouvons le faire, peut-être même plus mieux. Et j'ai confiance à l'avenir qu'un jour le Congo se lèvera plus. Merci. Merci, maître Roger Marcel Batiki. Merci, monsieur Blaise Baïsé Bolamba. Merci beaucoup, maître Patti Joseph Lendo. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Numérica Télévision. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur.
bien-aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Navinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'Éternel. Frère Nixon Navinga avec l'album Mon Berger, baillé. Nasombate, Nazoa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Navinga, l'album Mon Berger, baillé. Frère Nixon Navinga, a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie, Bobina la Mokondit. Album Mon Berger, Yango Yoé. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorula Matea. En même temps, Ezo Binisayo. En même temps, Ezo Teya Yo. Boya Boye, Ezalate. Ezaninye. N'album Mon Berger, Satanazui Zero. Nasombate, jamais. Kazarema.fr présente. Le groupe musical chrétien, Royaume Éternel, dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plèbe de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modisquaires de la place. DVD Oyobozelaki, Pona, ba papa, ba maman, Bana, Mpeli, Bota, Mobima, Yangoyo, Ngonge, Beti. Adorons l'Éternel, adorons le grand roi, avec Kazarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plèbe des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, bona bana, peli bota mobimba. Penaba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko yangoyo. Ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Parce que lobby est zayo. T'as là le frère Marius Lumumba, zombie de soussoyer par un bureau. Bien aimé, bon dit ma boy amba, album Oyo. Tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo. Bon, dès que la mingi à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Je suis un peu malade. Mokonzala pinda ye, ala pinda yo. Akoti kanga mo umute, ala pinda yo. Malosako bambote jambo yeno, leka na ebisabino ke mokonzala pinda ye. D'ici là, l'album entre des jours. Ya frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Kazarema. Vraiment album na bino et Ozala déjà d'ici là. Bon, bongisa, ba ki sangala na bino, talana moi compte na yo bien. Bongisa déjà,
réservé déjà en Angleterre mon bimba dans nos bimba partout na États-Unis donc on s'est dit sanga la po mon conti ça la pinaille album na bino entre deux jours apokota na kanana ngai mboka ya promesse réservé déjà mbongo na yo posomba CD pour participer na musala nzambe na ebisi bino la quatre albums mon conti ça la pinaille ngai atana lela seyo bien aimé dans le bon. Seigneur yes. Il a la grâce. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Hey.